Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est Nours au micro. On se retrouve pour la campagne de Legacy of the Void en mode brutal avec peut-être les hauts faits en même temps. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, comment ça va se décamper. Quelques petits conseils à vous fournir avant de faire cette campagne en mode brutal. Pensez à sauvegarder régulièrement pour ne pas avoir à recommencer les missions inlassablement, etc. etc. Je ne vais pas sûrement pas vous mettre les cinématiques, enfin quoique, je sais pas. Bon, je pense pas, je pense qu'on va juste y aller direct à l'essentiel. Allez, on va juste commencer par la première, parce que Lessa la a mis notre première, monde en ruine. c'est la première quoi. Elle a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Kala, l'union sacrée de chaque pensée, de chaque émotion. Juste énorme. Petit adepte. Adepte Volferine, queue de cheval. Il est temps de reconquérir notre foyer. Et avec lui, notre héritage! Ah, il y a de quoi se masturber sur l'intro quand même, faut le dire. Allez! Donc du coup, vu que j'avais fait les missions prologue, je sais pas si ça va repasser par là, je vais vous les refaire, ne vous en faites pas. Amon est de retour. Encore. Templier. Après si longtemps, nous voici au seuil de notre destin. En ce jour, nous allons retrouver notre gloire et notre héritage. En ce jour, nous allons reprendre ce que nous avions perdu, notre foyer. Pourrieux. Et puisse la lumière du Kala nous guider. Ça fait des la fesses, flotte hein. D'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, Hiérarque. Ces invasions doivent cesser immédiatement.
Zeratul. Templier ! Arrêtez ce traître ! Non ! Non ! Laissez-le parler. La guerre ultime arrive. Amon le Maître Noir est de retour. Ne faites pas confiance à cet hérétique. Cette invasion va nous détourner de la véritable bataille à mener. La fureur d'Amon va submerger la galaxie tout entière. N'oubliez pas que c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'Ayur. Et ce fardeau pèse lourdement sur mes épaules. Arcanis, j'ai trouvé un moyen de résister aux ténèbres à venir. Il faut me croire. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Zeratul. Mais de trop nombreux sacrifices ont été consentis dans l'espoir de faire exister ce moment. Exécuteur, que l'invasion commence! Et ben voilà, ça va être la merde. Ok. Première mission. On efface tout, on fait un parking et on s'installe. La reconquête d'Ayur est en cours. Nous nous préparons à assiéger le réseau de transfert de Kerissan. Très bien, Selendis. Une fois les canaux de transfert débarrassés de la contamination, nos troupes frapperont simultanément sur toute la surface d'Ayur. Les Templiers attendent vos ordres. Alors par contre, ce n'est pas du tout la première... D'accord. Guerrier, Ayur vous attend. En avant, allez la reconquérir. Bon, il y a quand même bois là. Je peux voir des trucs, non? Très bien, il nous recule des trucs. Vous avez besoin de... Nous ne faisons qu'un.
de sauvegarde. Sauver. Ok. Nous avançons en secret. J'ai vénère là. Vas-y, loupé son virage. Nous maîtrisons le canal. Transférez-nous des renforts. À vos ordres. Deux canaux de transfert sont encore entre les griffes des ergues. Eh ben voilà, on va y aller, t'en fais pas, nous copain. Marchons vers la victoire. Ah, je crois qu'il fallait tuer ça. Alors, avant, on va faire au fait. Au fait, il y a quoi à faire en au fait là-dessus. Pour Ayurt, dans la campagne. D'accord, donc pour Ayur, ne pas perdre plus de 100 unités, tuer 120 unités à la des colosses et réussir la mission. Ok, donc on va optimiser déjà les colosses, ça c'est facile à faire. Ne pas en perdre plus de 100, bah on va essayer de gérer un peu les îlots surtout, hein, parce que c'est les îlots qui sont de la chair à canon concrètement. Et pas d'histoire de temps, donc on peut prendre son temps. On peut aller voir ce qui se passe. Et des mutas qui passent et tout, nickel, c'est la fête.
Eh fuck. Vas-y, sens les arguments, dis donc. Très bien. Très bien. À votre service. Les intelligents agissent de façon concertée. Leurs actes traduisent une intelligence supérieure à celle des cerfs sauvages. Ce que vous dites est vrai, Zeratul. Ils semblent dirigés par une main invisible. Nous ferions mieux de rester sur nos gardes. Je vais pas le tuer, désert sauvage. Vous avez besoin de moi. Moi, comme le vide. On va finir par là, je pense. Exprimez votre volonté. Très sage. Je suis la voix. Bon, là, faut y aller, hein. Pas de pitié pour les ergues. Des hybrides. Bon, je pense que j'aurais pas les 100 unités, hein. Clairement. Après les hauts faits, on peut les faire pas forcément en brutal. Prenez le commandement de l'invasion, exécutrice. Zeratul, vous et moi devons discuter plus en profondeur de la récente tournure prise par les événements. Pour Aïur.
Donc au fait, ouais, voilà, c'est les 100 unités à ne pas perdre. Donc 500 en mode normal. Donc bien sûr, vous pouvez refaire la mission en mode normal histoire d'obtenir ce dernier au fait. Voilà. C'en est fini pour la mission pour Ayur. Je vous retrouve bientôt. À tout de suite. Cliquez sur le petit lien qui va apparaître pour la mission suivante. Bisous à tous. Ciao.